Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter le calcul du ratio de la rentabilité commerciale. Et on va prendre comme titre d'exemple l'extrait de l'examen national 2019 lafarge holcim Donc, pour le calcul, avant de calculer. On va voir la fiche de présentation de l'entreprise Lavage All sim Maroc. Donc Lavage sim Maroc c'est la dénomination sociale. Le secteur d'activité d'El la Lavage All sim Maroc c'est le bâtiment et travaux publics. Son activité c'est la fabrication et commercialisation de ciment, de béton et de granulat. Donc la question c'est de calculer le ratio de la rentabilité commerciale pour 2016 et 2017. Nota bene, retenir deux chiffres après la virgule. Deuxièmement, interpréter les résultats obtenus. En HISBO, le calcul de la rentabilité, le ratio de la rentabilité commerciale, et on va faire une interprétation et les résultats obtenus et ni n'attribuer les résultats obtenus je vous mais le document 3.5 indicateur de performance de réputation. Donc, en fait, la farge aussi marque donc le ratio de la rentabilité commerciale allons joue le résultat d'exploitation ou le chiffre d'affaires donc le ratio de la rentabilité commerciale c'est le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires quand on a le résultat d'exploitation ou le chiffre d'affaires donc pour 2016 le résultat d'exploitation il y a elle fait et le chiffre d'affaires 1668. Pour l'année 2017, le résultat d'exploitation est de 2942 et le chiffre d'affaires il s'élève à 7999. Donc on va faire l'application numérique donc pour 2016. Il aقسمنا 2754 0,41. Et pour 2017, on divise 2942 sur 7999, on a 0,36. Donc, c'est le calcul du ratio de la rentabilité commerciale va l'interprétation il y a un petit un de had les résultats obtenu. Chose à est que le ratio de la rentabilité a connu une diminution entre 2016 et 2017. Mais ce qui l'interprétation, c'est que les résultats les raisons qui l'augmentation ou la diminution du le ratio de la rentabilité commerciale. Donc pour l'interprétation

mais il a de la baisse, ou il a de la diminution, le ratio de la rentabilité commerciale, il peut, il peut être expliqué par l'augmentation plus proportionnelle du chiffre d'affaires par rapport à l'augmentation du résultat d'exploitation. Yannis, le chiffre d'affaires, Z, Wed, Akbar, mais le résultat d'exploitation, c'est pour cela. Euh, le ratio a connu une baisse entre 2016 et 2017 donc voilà comment calculer le ratio de la rentabilité commerciale maintenant partagez la vidéo avec vos amis euh, n'hésitez pas à s'abonner dans notre chaîne l'exercice la description كنضرب ضرب موعد الحلقة المقبلة في ون... آه... pour une autre question d'ici là سيلا... التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته